Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission. Alors nous sommes à Kabélé, dans la préfecture de Doubreka, à la rencontre des supporters du Sili National de Guinée, pour parler de cette belle rencontre qui opposera demain la République de Guinée et la Guinée équatoriale au compte des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, qui se joue actuellement en 2024. Alors la Guinée s'est qualifiée dans un groupe de la mort avec 4 points, 3e derrière le Cameroun et le Sénégal, premier avec 9 points. Alors nous allons rencontrer ces supporters pour leur point de vue, leurs attentes pour la rencontre de demain. Restez avec nous. Bonsoir monsieur. Je vous allais bien. Comment on vous appelle? Je m'appelle Jean Bilvogui. Alors demain, le Sili National de Guinée jouera contre la Guinée équatoriale au compte des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Quelles sont vos attentes? Notre attente est pour gagner, il faut aller avec force et reprier avec force. C'est là que tu vas gagner. L'espoir est que nous allons gagner 3-0. Et on reste toujours Guinée, on est patriotes. Bimbi. So. Ouais, mais dans le match, je suis gagné. Non, demain on espère qu'on va gagner ce match. On va gagner. Nous espérons ça. Combien de buts par exemple? Non, nous on a l'exemple de donner, même si c'est 3 buts comme ça, mais on a l'espoir quand même. On va gagner. Ouais, cette fois-ci, comme je suis supporter nouveau, j'ai la force de tomber derrière eux et nous irons jusqu'au bout. Nous sommes là pour ça.